It is the best. The best. The best. Yes, in the world. Really? Yes. Yes. Yes, really. Yes, really. We Americans don't know how to do pastry. Le dessert est universel, la pâtisserie, elle, est bien française. Merveilleux, gâteau basque, crème brûlée, cannelé ou macaron, ces gâteaux stars sont en train de conquérir la planète grâce au talent et à l'audace d'une poignée d'aventuriers. Le merveilleux de Fred rencontre le succès partout où il débarque. Ça m'étonne pas. J'étais même vu à New York. Un gâteau star. Après New York, Londres, Genève et Bruxelles, le pâtissier lillois s'attaque à Berlin. Quand Bruno a une idée en tête, rien ne l'arrête. Il a décidé d'envahir les pays scandinaves avec son gâteau basque. It's very popular in France. Very, very popular. It's good. Good, good, good. Céline a quitté son métier d'avocate pour se lancer dans les cannelés. Des palaces new-yorkais au café branché de Tokyo, elle est en train de réussir son pari. My name is Céline and I'm the owner of the cannelé. So do you like it? Did you try? On vient de tous les continents pour percer les secrets de la pâtisserie française. Don't put too much chantilly. L'école d'Alain Ducasse en Haute-Loire est réputée dans le monde entier. France is the best on the pastry, right? That's the reason everybody want to come. Everybody dream about this. À Hong Kong, Merwan et Christophe font partie des leaders de la pâtisserie française. 10 magasins, 700 000 crèmes brûlées et 6 500 000 macarons vendus en 7 ans. C'est déjà très bien, mais les deux frères ne comptent pas s'arrêter là. Étant donné qu'on va en Chine dans la prochaine étape, le prochain étape c'est 1,3 milliard de macarons. Dimanche de printemps, à Paris. Plutôt que d'aller au musée, les clientes de David ont réservé un tour des pâtisseries. C'est la toute dernière tendance dans le tourisme. Vous allez goûter plusieurs pâtisseries qui sont des spécialités locales et qui sont célèbres ici dans le quartier du Marais. Voici le magasin de Pierre Hermé. Pierre Hermé, l'éclair de génie, mère, au merveilleux de Fred, la balade gourmande va durer plus de 3 heures. Tarif 95 € par personne, dégustation et bonne humeur incluse. Pour les plus grands noms de la pâtisserie française comme Pierre Hermé, ces visites guidées sont une très bonne occasion de toucher un public encore plus large. Il vient des États-Unis, d'Australie. Et puis, je peux vous demander très rapidement de dire qui est Monsieur Hermé. C'est un des meilleurs chefs pâtissiers au monde. Il a des boutiques un peu partout sur la planète, mais pas encore aux États-Unis. Son macaron le plus célèbre est le Mogador, chocolat au lait et fruit de la passion. Comment vous vous sentez? Au paradis. C'est délicieux. Voilà les éclairs. Éclairs de génie, par Christophe Adam. C'est incroyable. J'adore celui à la vanille. Au fur et à mesure que je les goûte, c'est toujours le dernier que je préfère. On a la chance d'avoir de grands chefs et avec la pâtisserie, on a tous les ingrédients marketing réunis. C'est à la fois les saveurs, les couleurs. Donc il y a véritablement des atouts et vous voyez, le plateau parle de lui-même. C'est parti en même pas 5 minutes. Ce joli voyage se termine en douceur. Dans un décor de l'époque directoire, les merveilleuses et les incroyables sont à l'honneur. Ils étaient, après la Révolution, des jeunes gens aux mœurs et aux tenues légères. Ce sont aujourd'hui des gâteaux faits de meringues et de crème fouettée. Bon appétit. C'est tellement léger. Magnifique. C'est comme si on mangeait de l'air. Les merveilleux de Fred sont en train de conquérir la planète, avec déjà 25 boutiques ouvertes, de New York à Bruxelles, en passant par Londres et Genève, et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Un destin hors du commun pour cette pâtisserie ancienne, originaire du nord de la France, et qui doit sa renommée à Frédéric Vauquand. Au cœur du Vieux-Lille, un samedi après-midi, on fait la queue pour un merveilleux. C'est tous les samedis comme ça? C'est tous les samedis comme ça, oui. Ouais. Et ça vous impressionne encore ou pas du tout? Non, j'ai toujours peur que ça s'arrête. On prend goût, hein. On prend goût. Meringue, crème fouettée, chocolat. Ça, c'est l'entité, celui-là. Merveilleux, c'est meringue, crème fouettée au chocolat. Voilà. C'est le meilleur. Complètement. Qu'est-ce que vous aimez dans ce gâteau? Dans le merveilleux. C'est léger, c'est bon et c'est pas ordinaire. C'est différent de ce des autres gâteaux, c'est pas lourd et puis ça vient de chez nous. Il y a 20 ans, Frédéric Vauquand ouvre à Lille cette boutique d'un nouveau genre, consacrée à un seul gâteau. C'est le début de la tendance monoproduit, reprise aujourd'hui par de nombreux pâtissiers. Mais si Frédéric se concentre à l'époque sur le merveilleux, c'est pour une raison très personnelle. Parce que j'étais un fêtard et que je me levais tout le jour en retard vu que je me couchais bourré. Hein, et que comme j'étais à la bourre, je faisais le gâteau qui allait le plus vite. Et c'est resté comme ça, donc un petit peu à la fois, j'ai arrêté les autres gâteaux. Et ça a fait rire les gens. Au revoir, messieurs, dames. Ça a fait rire les gens, j'étais tout le temps à la bourre, donc bonjour. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est bizarre. C'est une drôle d'aventure. Bah, déjà que le gâteau est bon, il plaît. Après, le fait que ce soit un peu un show, qu'il soit fabriqué devant le client, le fait que je suis maniaque, que tout doit être bien à sa place, que tout doit être beau à regarder. Ouais. Le temps s'est arrêté pour moi au staff et à la feuille d'or, j'adore ça. Et le marbre, enfin, toutes les choses très intemporelles en fait. Hein. Dès l'instant où on met un lustre comme ça dans une boutique, ça devient une marque de fabrique. Mon tout premier lustre que j'ai acheté, je l'ai acheté 11 000 €. Et c'était une folie à l'époque de mettre autant d'argent dans un lustre. Aujourd'hui, on monte jusqu'à 70 000 €. Impressionné par le succès de la pâtisserie lilloise, des investisseurs vont proposer à Frédéric de s'associer avec lui pour développer son concept en France et à l'étranger. Comme le gâteau a vraiment plu à Lille, on est venu me demander pour faire d'autres régions, quoi. L'Angleterre, la Belgique, 2, la Suisse, 3, l'Allemagne, 4, les États-Unis, 5 pays et la France, 6. Un gâteau star. Bien. À New York aussi, le samedi après-midi, on fait la queue pour un merveilleux. Can I have the next person? Hi. Chocolate 3 and one coffee. Vous connaissez le nom du gâteau? The merveilleux. Pretty good. Yeah. On a rajouté les phonétiques ici parce qu'ils n'arrivent pas à le prononcer sinon. Et pourquoi vous aimez ce gâteau? Oh my god, because they're fluffy and absolutely delicious. Antoine a ouvert cette boutique sur la 8e avenue en 2014. La première sur le sol américain. Réplique exacte de la pâtisserie lilloise, on ne change pas une recette qui marche. Dès le démarrage, en fait, on a eu tout de suite une clientèle qui était attirée par la vitrine, par la fabrication en vitrine, par notre décor. Donc les gens ont naturellement goûté, et puis après, bon, c'est le bouche-oreille, en fait. Yeah. Yeah, there is. C'est vraiment une recette qui est vraiment frappante, remarquable, unique en pâtisserie. C'est un produit sans pâte, extrêmement léger, surprenant. Et finalement, les gens goûtent, sont choqués, sont impressionnés. Et du coup, veulent le faire partager autour d'eux, veulent le montrer à leurs amis, veulent le ramener pour un dîner. C'est avant tout, je crois que c'est vraiment une histoire de produit. La recette de Frédéric Vauquand, elle est vraiment unique, inégalée. Naturellement, elle crée les éléments pour le succès. En 2015, quelques semaines après l'ouverture, le New York Times s'extasie devant le succès fulgurant du merveilleux. Le culte du merveilleux a finalement gagné l'Amérique. Sur les réseaux sociaux, les internautes laissent éclater leur enthousiasme. Incroyable, les merveilleux sont de délicieux nuages. Laissez-moi mettre 10 étoiles, ça mérite 10 étoiles. Mon Dieu, cet endroit est la définition du paradis. Consécration, le merveilleux vient d'être élu pâtisserie préférée de l'État de New York. Ah oui. Ouais, alors on a été élu le mois dernier meilleure boulangerie de l'État de New York par Yelp, qui est un énorme site de revues sur Internet. C'est super, c'est vraiment une reconnaissance. Surtout ici aux États-Unis, qui est vraiment le pays de la review, où les gens laissent des reviews sur tous les business, que ça va de la boulangerie au restaurant, au cabinet d'avocat, à votre cabinet de médecin, vous laissez des reviews. Donc nous, on suivait avec une certaine attention ce que les gens disaient de nous. On était très fiers des revues positives. Et là, qu'on soit reconnu et qu'on se fasse décerner le prix de la meilleure boulangerie, c'était vraiment une belle consécration. Ouais. Caramel, the last one. Un peu plus haut, dans Manhattan, Céline vient livrer ses cannelés qui sortent du four. Yes, hi, it's Céline from Cannelé by Céline. Thank you. Hi, Christine. Hi, welcome. Thank you. How are you? Thank you so much. I'm so excited. Of the cannelé, amazing. Thank you. I'm gonna just put them over here. Oh my gosh. Oh, they're so beautiful. Yeah. Out of the oven, the vanilla one. Ce nouveau client de Céline, c'est la dernière adresse à la mode dans l'Upper East Side. Un spa luxueux originaire de la région bordelaise, célèbre pour ses soins à base d'extraits de vigne et de raisin, la vinothérapie. Le cannelé est ici comme chez lui. Vous pouvez vous installer là. Il y a des cannelés de Bordeaux, si vous voulez goûter. Avec plaisir. C'est la première fois? Alors c'est caramélisé, croustillant à l'extérieur et tendre et moelleux à l'intérieur. Celui-là est à la vanille. Goûtez et dites-nous ce que vous en pensez. Allez-y, Daphné, Christine. Vous les connaissez déjà, mais allez-y. Incroyable. Je suis contente. C'est divin, vraiment. C'est à la fois crémeux, sucré, mais pas trop. Et en même temps si léger. C'est vraiment parfait après un soin. Oui, c'est très léger. Ça apporte un peu de saveur de Bordeaux, ici dans l'Upper East Side. C'est vraiment bien pour nos clientes de se retrouver dans cette ambiance française, après leurs soins, de déguster ce petit gâteau. Ça leur permet de passer un très bon moment. Autre quartier, autre client, au pied de l'Empire State Building. Ce café coréen a été un des premiers à vendre des cannelés de Céline. Hi, Céline. Good, how are you today? Good to see you too. Alors, voici les cannelés que vous avez commandés. On les attendait avec impatience. Du fait de son emplacement, notre boutique accueille des clients de toutes les origines, aussi bien que d'authentiques New-Yorkais. Et ils sont tous dingues des cannelés. Mon préféré, c'est celui au rhum. Personne n'est capable d'atteindre une telle qualité à New York. Changer de métier et conquérir Manhattan avec des cannelés, c'est l'incroyable défi que s'est lancé Céline. Avant, elle était avocate entre Paris et New York. Une rencontre avec un grand chef français va changer sa vie. Alors, l'histoire a commencé, je dirais, il y a une dizaine d'années. Je commençais à faire des cannelés pour des amis. J'aime beaucoup cuisiner. La pâtisserie, je découvrais de plus en plus. Et je trouvais ça sympa d'apporter des petites confections un petit peu uniques à des amis. Quand on est invité chez eux, au lieu d'un bouquet de fleurs, voilà, j'amenais des cannelés. C'est le chef Jean-Georges, j'ai eu la chance de rencontrer ici, qui a goûté les cannelés et qui les a trouvés très bons, m'a demandé donc où je les vendais. Je dis maintenant je les vends pas, je suis avocate. Et mais du coup après je me suis dit, ah peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que de là va naître une nouvelle idée d'aventure, de concept. J'y ai réfléchi et j'ai trouvé ça assez sympa et puis je me suis lancée dans la production de cannelés sans être pâtissière, donc j'ai tout appris un peu par moi-même. Préparer des cannelés est loin d'être aisé. La cuisson demande une attention extrême. Le cannelé est sauvage, joueur et taquin. Il faut le maîtriser, le piquer, le remettre en place, le surveiller sans relâche. C'est vrai que c'est une question de patience, le cannelé. Peut-être capricieux. C'est un produit très très délicat. À force de patience et de persévérance, Céline réussit à gagner le cœur des New-Yorkais. Certains disent que ces cannelés sont les meilleurs de la ville. J'ai dû essayer entre 6 et 8 adresses. Ici, c'est le top. Merci. Une expérience suprême. Je ne sais pas si vous avez entendu, ils sont vraiment croustillants. Je vais le refaire. Ah ouais, je suis contente parce que c'est un petit peu, voilà, c'est toujours agréable d'avoir un retour direct du client et elle est sincère. Ok, thank you, merci. On trouve aujourd'hui les cannelés de Céline dans les lieux les plus prestigieux. À l'hôtel Carlyle, par exemple. Les Kennedy y avaient leurs habitudes. Woody Allen y joue du jazz chaque lundi soir. Et les présidents français y ont une suite réservée. Ah, salut Vincent. Bonjour Céline, comment vas-tu? Ça va, très bien et toi? La petite livraison de cannelés. Très bien, super. Caramel, chocolat, vanille. Le restaurant du Carlyle est un des plus importants clients de Céline. Il lui commande 200 cannelés chaque jour pour servir avec le thé et le café. Un petit café pour toi, bien américain. Merci. Voilà. Bien sûr, avoir une commande régulière, c'est très bien. Ça permet d'installer le cannelé dans l'habitude des desserts des Américains et de le faire connaître de plus en plus. Donc c'est une belle opportunité pour nous. Les présidents français sont descendus et l'ont goûté. Et je pense que les présidents américains également, puisqu'à l'époque, on nous avait commandé en fait les petites coupelles en verre pour le mettre dans la chambre en prévision de la venue du président américain. Donc après, je ne sais pas voilà, quel moment ils l'ont goûté, mais en tout cas, je pense qu'il l'a été dégusté. Faire une reconversion comme ça, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, un nouveau pays... c'est vrai que ça faut avoir du courage et de réussir surtout parce que non, la réussite c'est la route est longue. La route est longue. À Biarritz, les beaux jours sont de retour. Voilà, ça c'est beau ça. Les surfeurs sont à l'honneur. et Bruno, spécialiste du gâteau basque, prépare sa saison. Alors, installation de la pêche. Bonjour, ça va ? Bruno a toujours une idée d'avance pour faire la promotion de son gâteau préféré. 50% des ventes en plus. Une bâche, un panneau. Voilà. Il est beau, hein? Mais il est bon en plus. Non, mais j'ai pas le Bruno. À en croire Bruno, son gâteau basque, c'est le véritable, le pur, l'authentique. Beurre de Charente, farine label rouge, sucre et œufs frais pour la pâte, confiture de cerise noire ou crème pâtissière maison pour la garniture. Alors le gâteau basque qui est là, il respecte une charte, une association qui s'appelle Egusquia, une association de défense du gâteau basque qui a été créée il y a une vingtaine d'années pour contrer la grande distribution et les industriels. Par exemple, quand on vous dit « oui, le gâteau basque, ça a un goût d'amande amère », non, ce sont les industriels qui ont amené l'amande amère dans le gâteau basque pour couvrir le défaut de qualité des produits qui y sont mis. Mais le gâteau basque n'est pas l'amande amère. Le gâteau de Bruno est réputé dans toute la région. C'est déjà très bien, mais le basque est d'un naturel aventurier. Il a besoin d'aller de l'avant et de partir à la conquête de nouveaux territoires. Maintenant, le but, c'est de sortir du marché local et d'aller envahir la Scandinavie. Alors, le Danemark, la Suède, la Finlande. Illuminé, peut-être pas, mais un gentil fou. Ouais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les Basques, on est très têtus. L'aéroport de Biarritz propose des vols directs avec la Scandinavie pendant toute la saison estivale. Une occasion en or pour Bruno de faire découvrir son gâteau aux touristes finlandais dès leur descente d'avion. Hello, welcome. Voilà, that's a gâteau basque. That's a cake from Pierre. Okay? Welcome. This is the gâteau basque for you. Welcome. Is it good? Yes. That's for you. Okay. Have a good day. Okay. A small cake from here. Okay. You can taste it. It's a gâteau basque. Okay. Test it, it's very good. You will see. You like it? Yes, very good. I would like to have more. Yeah. Hello, bonjour. Hello. Gâteau basque. Gâteau basque. The specialty from here. Just basket. Bon appétit. Bon appétit. Yeah. Mm. Très très bon. If it works, you will find it in Finland. Mm-hmm. Yeah. We are trying to export. We plan to export in Finland. That's very good. Thank you. Thank you very much. L'opération est un succès. La conquête de l'Europe du Nord peut commencer. Bruno et sa collaboratrice Anna se sont donné 3 jours pour séduire les acheteurs scandinaves avec leur gâteau basque. Premier pays à convaincre, la Suède. Moi j'ai les basques cerises. Voilà, t'as les basques crème. Oui, j'ai les crèmes. Ensuite, on a le panneau rouge pour la présentation sur l'étagère. Oui. Et le tablier à mettre pour le vendeur ou la vendeuse pour faire la présentation, la promotion des gâteaux basques. Oui. Et surtout, on va insister sur le crème. Oui. Comme tu pensais que c'était une bonne vente possible. Oui, je pense. Le duo de choc a rendez-vous dans un magasin chic. Ica Stop, dans la banlieue de Stockholm, a été élu plus beau supermarché de Suède en 2015. Bruno doit convaincre Elisabeth et John, responsables des achats du rayon pâtisserie. Vous connaissez un peu la France? Je parle peu français. Ah oui, très bien. Nous sommes dans le sud-ouest, près de l'Espagne. Notre région s'appelle le Pays Basque. C'est très populaire en France. Servez-vous. avec un café, un thé. Celui-là est à la cerise. Il est un peu plus sucré. Oui, c'est plus sucré. Comment vous le trouvez? Le goût est incroyable. Ça me rappelle mon enfance. Vous le vendez dans toute la France? Oui. Oui, en France, c'est un des 5 gâteaux les plus connus. Éclair, millefeuille, forêt noire, black forest, and the gâteau basque. Avec Bruno, vous êtes sûr d'avoir de bons ingrédients. Les gens savent que s'il y a ce label, c'est un produit de bonne qualité. Andreas, le directeur du magasin, semble intéressé par la dégustation. Une occasion en or pour Bruno. Vous voulez goûter? Oui. Mais peut-être que je ne vais pas aimer. C'est vrai, je prends des risques. C'est bon, fait maison. Fantastique, vous avez un très bon concept. Je n'avais jamais goûté, c'est très très bon. Vous pensez que les Suédois pourraient aimer? Oui, on a des clients internationaux qui voyagent beaucoup. Je pense qu'ils seraient contents de retrouver ce gâteau ici. Bien, on vous rappelle en avril pour voir ce que vous en pensez et comment on pourrait travailler. Vous pourriez peut-être mettre un drapeau suédois dans votre boutique et dire qu'on peut l'acheter aussi en Suède. Oui, si vous voulez le vendre, on est là pour vous aider. Il faut qu'on travaille main dans la main. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci. On reste en contact. J'espère bien. C'est assez positif parce que là, on a eu le directeur d'établissement et ça, c'est très positif. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. C'est la première fois que je le vois. Et lui, il était très positif. Oui, très positif. Et il trouve que le produit peut être vendu cher parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Mmh. Ça, ouais. C'est ce qu'il a dit. Et là, c'est important parce que ça veut dire qu'ils commencent à réfléchir à leur marge. Mmh. Deuxième étape, Helsinki, en Finlande. Bruno rêve de voir son gâteau basque dans les rayons du grand magasin Stockmann. Mais il doit passer par un intermédiaire. Le rendez-vous a lieu à une dizaine de kilomètres du centre-ville avec Vesa, un des plus importants grossistes du pays. Bruno lui propose sa dernière idée pour lancer le marché, distribuer ses gâteaux dans les avions qui rentrent de Biarritz. Je les donne aux membres de l'équipage et ils les distribuent dans l'avion. Avec le gâteau, il y a un petit message. Vous rentrez du Pays basque, souvenez-vous de vos vacances avec ce gâteau. Et quand vous serez à Helsinki, vous pourrez l'acheter à tel endroit. Et donc, en arrivant à Helsinki, ils pourront aller chez Stockmann pour acheter un gâteau. C'est très bien, toute cette énergie. Il a de bonnes idées. Il faut qu'on voit avec tout le monde si c'est possible. C'est la première chose à faire. Troisième pays visité, le Danemark. Du côté de la place Saint-Jacques, à Copenhague, cette ancienne station-service a été transformée en épicerie fine et table d'hôte par le grand chef alsacien Daniel Letz. Camembert, foie gras, vin, on trouve ici tout ce que le terroir français a de meilleur et les clients les plus prestigieux. Alors ça, c'est la famille royale, quand ils viennent manger ici, dans mon garage, regardez, là, ils sont tous là. Il y a Son Altesse Royale, la Reine du Danemark, le prince consort, Monseigneur. Ils viennent manger chez nous 3-4 fois par an. Bruno espère bien que son gâteau se fera une place parmi ses produits d'exception. Allez, vas-y. Après vous, madame. Oui. Si l'équipe française du magasin le trouve bon, il aura peut-être une chance. Noël, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je reviens de chez le dentiste, mais c'est bon. Super. Ah, c'est bien. Moi, j'adore. Ah, c'est très bon. On dirait que ça vient d'être fait. À la minute. Ah oui, vraiment. Bon, il y a du bon beurre. Vous travaillez très bien. Bah, alors, automatiquement, c'est des super produits. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Ah, t'as venant d'un grand chef. Ah oui, là. C'est des super produits. Rien à dire. Il y a de l'émotion, ouais. Ah ouais. Ouais, merci beaucoup. C'est bien. Non, je pense qu'on peut essayer de toute façon. Il faut qu'on essaye. Il n'y a pas de secret. Nous, ce qu'on peut faire avec ce type de produit, c'est le lancer, commencer, l'expliquer, l'argumenter, et puis ensuite faire un point ensemble dans 6 mois, voir comment ça va. Est-ce que nous, on a trouvé une clientèle? Est-ce que la clientèle s'est retrouvée dans cette pâtisserie-là, dans ces gâteaux? Et puis voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir que le produit intéresse, même si on peut passer pour des fous en France. À l'étranger, finalement, on n'est peut-être pas si fous que ça. Conquérir la planète avec nos gâteaux, c'est aussi transmettre notre savoir-faire et nos recettes à des étudiants étrangers. À Issingeaux, en Haute-Loire, les murs du château abritent l'École nationale supérieure de pâtisserie, réputée dans le monde entier. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une forêt noire. C'est un gâteau très populaire en France. Chine, Taïwan, Philippines, Ukraine, Canada, États-Unis et République tchèque. On vient de tous les pays pour écouter les conseils des pâtissiers français. Je mets la crème au chocolat au centre et la chantilly autour. J'ajoute les cerises en les faisant bien rentrer et ensuite la deuxième génoise. Vous faites la même chose, d'accord? L'école existe depuis 1984. Pas trop de chantilly. En plus des 1200 étudiants français, chaque année, 300 étrangers viennent ici pour se former ou se perfectionner. Le programme que suivent les 12 élèves s'appelle « Art de la pâtisserie française ». Ils sont en train de monter la forêt noire, là, et 6 mois de cours et 2 mois de stage. Tarif 18 000 €. Une somme que n'hésite pas à débourser de plus en plus de jeunes Chinois. Bien sûr que c'est un investissement financier, mais je pense que c'est un investissement quand même qui est important parce qu'ils viennent, ils prennent un savoir qu'il y a très peu actuellement en Chine et donc eux seront les premiers. La pâtisserie en Chine est en train de se découvrir, la pâtisserie française, puisqu'ils n'ont pas la même façon de consommer le sucré et du coup je pense qu'il y a un marché qui est extraordinaire pour eux. Tout le monde connaît cette école en Chine, elle est très célèbre. Quand je rentrerai en Chine, je voudrais ouvrir ma propre pâtisserie. Ce que viennent chercher les étudiants étrangers, ce sont ces tours de main, ces gestes précis, ces petits détails qui font que la pâtisserie française est en haut de l'affiche dans le monde entier. Barborka est tchèque. Elle a tout quitté pour la pâtisserie. Je faisais des études pour devenir enseignante, pas pâtissière. Mais je voulais être pâtissière, c'est ma passion. En arrivant ici, j'ai rencontré des chefs incroyables. Je n'ai pas de mots, ils sont vraiment bons. Je n'aurais pas eu cette chance dans mon pays. Entremets, millefeuilles, éclairs, mousses, en 6 mois, Barborka apprend à réaliser près de 200 gâteaux. Au début, on voyait certains gâteaux et on se disait qu'on ne serait jamais capable de les faire. Maintenant, quand je vois nos gâteaux, je me dis, c'est moi qui les ai faits et je vois qu'on a beaucoup appris. La forêt noire est le dernier gâteau de la formation. La semaine prochaine, Barborka et ses amis partiront en stage en France et à l'étranger. C'est du beau travail. Je suis très fier de vous. La suite de notre aventure sucrée nous conduit en Asie. À Hong Kong, le marché de la pâtisserie est encore tout jeune. Et pour beaucoup, il porte un nom bien français. Paul Lafayette. Is it? Oh, that's correct. Paul Lafayette, c'est une chaîne de pâtisserie haut de gamme présente dans les plus beaux quartiers de la ville. Une enseigne devenue célèbre grâce à deux produits phares, les crèmes brûlées et les macarons. Ma femme adore. À chaque fois que je passe ici, ça me donne une bonne occasion de lui faire plaisir. Cet après-midi, dans le plus haut gratte-ciel de l'île de Hong Kong, Evie et Sacha ont décidé, elles aussi, de se faire plaisir. Elles viennent de commander une crème brûlée. Le dessert est préparé sous leurs yeux et sous l'objectif de leur téléphone. Aussi important que la dégustation, le partage sur les réseaux sociaux. Montrer à ses amis que l'on est devant la chaîne de pâtisserie française est un must. Beaucoup de gens connaissent Paul Lafayette à Hong Kong? Oui, je pense. C'est très connu ici. Ils ont beaucoup de magasins en ville. C'est doux, c'est crémeux. On sent vraiment bien le goût de la vanille. J'aime beaucoup. Avec une dizaine de boutiques et 80 salariés, Paul Lafayette, c'est l'histoire d'une réussite fulgurante et d'une aventure familiale. Merwan et Christophe sont encore étudiants quand leur père décide de se lancer dans la pâtisserie en 2009. Hello. Hello. Alors c'est venu notre père qui était à Hong Kong depuis maintenant quasiment 12 ans et qui voilà, avait vu qu'à l'époque il n'y avait donc en effet aucune chaîne de pâtisserie sur le marché à Hong Kong, si ce n'est les quelques hôtels 5 étoiles qui proposaient des tea time ou de la pâtisserie. Paul Lafayette était vraiment la première chaîne de pâtisserie sur le marché hongkongais qui a ouvert toute fin 2009 en fait, pour Noël 2009. Le défi est de taille. Pour se faire connaître, il faut trouver un nom accrocheur, quitte à jouer sur l'orthographe. Beaucoup d'Asiatiques ont voyagé en France, connaissent que ce soit, je dirais, le Général Lafayette ou alors les Galeries Lafayette. Et même si l'écriture est bien sûr différente, c'est vrai que c'est un nom qu'ils retiennent facilement et ils pensent plus facilement en effet à Paris ou à la France en pensant à ça. Voilà. Il faut ensuite un produit vedette. Ce sera la crème brûlée à la vanille de Madagascar. Caramélisée devant le client et vendue dans un pot en céramique, les Chinois tombent sous le charme. Et surtout, ils conservent précieusement les ramequins pour y déposer leurs clés ou leurs bijoux. Ça a été une manière de communiquer sur la marque, je dirais sans frais de communication, dans le sens où bah voilà, on se lève tous les matins, ouais, on arrive dans sa cuisine ou je sais pas, sur sa table de bar où on met ses clés, etc. Et on voit Paul Lafayette, Paul Lafayette, Paul Lafayette. Donc voilà. Et c'était la première idée génie, c'est ce qui a fait connaître la marque et surtout la crème brûlée. En plus de la crème brûlée, Merwan et sa famille vont réussir à s'imposer sur un marché ultra concurrentiel, celui des macarons. La folie du macaron, ça a commencé quoi, en 2011-2012. Et ensuite, avec l'arrivée de La Durée, Pierre Hermé, Fauchon, etc., toutes ces marques françaises et également des marques hongkongaises, il y a eu une euphorie autour du macaron pendant, disons, 2 ans. Pour se démarquer et dépasser l'effet de mode, l'enseigne se concentre sur la clientèle asiatique plutôt que sur celle des expatriés. La présentation, très importante pour les Hongkongais, est particulièrement soignée. Des emballages luxueux sont créés par des designers de la maroquinerie. Les parfums sont adaptés aux habitudes locales. Jasmin, oolong, litchi côtoient les traditionnels framboises ou chocolat. Les ventes explosent. Macarons, on en a vendu 6 500 000 durant les 7 ans, à peu près. Donc quasiment une personne, un macaron. Voilà. Pour Merwan, une des clés de cette réussite est de proposer des produits frais en les fabriquant sur place. Les cuisines de Paul Lafayette sont centralisées dans le quartier de Tokwawan, à l'est de Hong Kong. Voilà, notre chef... Adrien Nanu, qui est actuellement avec nous depuis 6 ans. 6 ans que je suis arrivé. Voilà, exactement. Sur plusieurs étages, le chef pâtissier Adrien et ses équipes produisent chaque jour des centaines de crèmes brûlées, des pâtisseries et 3 000 à 4 000 macarons. Voilà, actuellement, ils sont sur le macaron parfum framboise. Il y en a quoi, 3000, 3500 ? On choisit de mettre aucun stabilisant ou conservateur pour justement pas altérer le goût. Et ensuite, ils sont stockés, etc. Puis envoyés dans les boutiques le lendemain ou le surlendemain. Voilà. Une seule cuisine qui fournit toutes les boutiques, cela permet de limiter les coûts et donc de choisir les adresses les plus stratégiques pour ouvrir de nouveaux magasins. Comme ici, dans la tour APM. Le gratte-ciel abrite un des centres commerciaux les plus dynamiques de la ville. Hello, how are you? C'est une des boutiques qui a été ouverte il y a actuellement 3 ans. Thank you. C'est un des lieux les plus stratégiques pour la marque, qui tient au fait que nous situons actuellement dans une tour de bureau qui fait 48 étages et qui ramène énormément de monde, mais également beaucoup de résidents qui habitent autour de la tour et qui viennent passer leur week-end à voilà, avoir quelques pâtisseries, un café, etc. et qui nous amène un trafic continu tout au long de la semaine. Une des autres raisons du succès, c'est la façade linéaire de la boutique qui nous permet de présenter le packaging d'une part, l'ensemble des produits avec la gamme de macarons, de gâteaux d'anniversaire, les pâtisseries et aussi les crèmes brûlées. Et bien sûr, la signature de la maison qui est la partie caramélisation de la crème brûlée qui est en face du client, totalement ouverte, avec l'odeur, etc. qui en ressort. Ça, c'est la crème brûlée à l'orange, le nouveau parfum de la mini crème brûlée qui a été lancé il y a une semaine. Délicieuse. Objectif. Très objectif. Pour faire la promotion de ses pâtisseries, Merwan ne s'arrête jamais. Good evening everyone. Welcome to Paul Lafayette macaron making workshop. Who is going to teach you today about the process making of the macaron. Okay, meringue. Meringue. If it's working well, ah, okay. So we can put upside down. On a énormément développé la marque à travers voilà, ces différents workshops-là. On le fait à peu près 2 fois par mois. Les gens recherchent beaucoup à savoir voilà, tout le côté expérience et à essayer de comprendre comment sont faits les macarons. Personne sur Hong Kong ne l'a fait. C'est un côté nouveau. Les Hongkongais et les Asiatiques en général ne connaissant pas trop la culture de la pâtisserie française, finalement, ça leur permet de comprendre derrière l'achat d'un macaron, d'une pâtisserie, comment est-ce qu'il a été réalisé. C'est une expérience géniale. C'est la première fois que je fais des macarons. Mais comme je ne suis pas vraiment douée pour la pâtisserie, je préfère continuer à acheter les leurs. Okay. Tokyo, 37 millions d'habitants. Dans la ville la plus peuplée du monde, Céline vient de décrocher son premier marché. Depuis 2 semaines, ses cannelés sont en vente dans les très chics El Café. Alors, je découvre les cannelés. Waouh! Ils ont même reproduit l'arbre à cannelés. Il y a la vanille, la framboise, orange, chocolat, sésame, amasake, matcha, le charbon, j'adore, et la noix de coco. Ils ont vendu là hier la majorité, ils ont repassé une commande, donc il va falloir vite qu'on honore ça. Et là, le classique, c'est celui qui part le plus vite. Et après les autres, bah, apparemment, vu l'heure, on est déjà pratiquement sold out. Donc c'est bien. Pour avoir ce contrat, Céline a dû adapter sa recette et créer des cannelés sans gluten. Une première. Et ça n'existait pas ici, ils voulaient le lancer exclusivement. Et on a travaillé sur la recette à distance, on a élaboré avec la farine de riz. Et on a réussi à obtenir un cannelé similaire au cannelé avec gluten que j'ai fait à New York. Et donc, je suis super contente parce que je retrouve tous mes cannelés là. Et c'est à peu près 2000 cannelés par jour qui sont attendus en vente. Donc, c'est quand même un gros, gros marché. Devant le succès des cannelés dans la boutique, le chef du café a décidé de les servir aussi avec le très chic thé de l'après-midi. Merci beaucoup. C'est la première fois que je découvre les cannelés. C'est parfait, très joli, avec le thé. Ça me plaît beaucoup. C'est le premier week-end que vous les proposez avec le thé? Oui. Je suis très, très fière. En plus, le Café El, c'est quand même assez prestigieux. Ça vient d'ouvrir, c'est tout nouveau. Et c'est vrai que pour ça, je suis ravie de pouvoir faire cette collaboration avec elle à Tokyo comme lancement. Je ne pouvais pas rêver mieux. Les cannelés de Céline se consomment frais. Ils sont fabriqués dans la banlieue d'Osaka. Céline a trouvé une pâtissière sur place, la pétillante Eri. C'est elle qui lui prépare toutes ses commandes. Je suis très contente de faire les cannelés de Céline. Quand je les prépare, ça sent tellement bon. Ça me rend heureuse. C'est ça l'aventure. On part d'un petit concept, d'une passion et, qui grandit et fait des rencontres incroyables. Donc avec une cuisinière japonaise, je suis très contente d'avoir rencontré Eri. Là, ce sont les soumis, c'est ça? Oui. C'est de la poudre de charbon. C'est une substance très très saine et qui est très recherchée par les japonaises. C'est très très fin, ça donne un côté velouté incroyable. Et après, ça devient noir, 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 noir. Yes, noir, 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 noir. L'incroyable aventure de l'ancienne avocate continue en plein centre d'Osaka. Dans le plus important centre commercial du Japon, New York est à l'honneur. Pendant 10 jours, les meilleurs produits de Manhattan attirent des milliers de curieux. Entre les cheesecakes et les pizzas, les cannelés bordelais de Céline ont réussi à se faire une place. C'est super. Faut que ça vende maintenant. You want a cannelé? Cannelé? From New York, French pastry with New York flavors et Japanese flavors, sesame, saduchi. Hi. Cannelé, French pastry. J'habite à New York et là je suis venue pour la New York Fair. Ma mère aime beaucoup le cannelé. Elle est professeure de cérémonie du thé japonais. La cérémonie du thé avec le thé? Cannelé, un thé, parfait. Lesquels? Alors, pistachio, sudachi, sésame. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. On a déjà remis à niveau le chocolat et la pistache, donc ça va bien. Vous êtes heureuse? Oui, très. En partnership avec Eri, my partner here in Tokyo. In Osaka, she bakes everything for me. And we hope to make more in the future. Next year and maybe in 2 years I come. À Berlin, c'est jour de fête. Dans le très chic quartier de Charlottenburg, la première boutique de Frédéric Vauquand sur le sol allemand va ouvrir ses portes. Bon, ça commence vraiment à être beau là, mesdemoiselles, messieurs, dames. Ça commence vraiment à être beau. C'est agréable, on va pouvoir boire des verres maintenant. Boutique bien arrosée, prospérité. Moi, je serais vous, j'ouvrirais la porte là-bas. Hein. Bah oui, on regarde, les gens attendent. Ouais. Dix minutes avant l'heure prévue, la pâtisserie est prise d'assaut. Les clients, comme partout en Europe et aux États-Unis, font déjà la queue pour un merveilleux. I'm sorry. Yes. Depuis quelques semaines déjà, les gens voient le magasin prendre tournure. On a allumé le lustre il y a 2-3 jours, on l'a laissé allumer. En fait, on montre qu'il y a de plus en plus d'effervescence. Donc les gens viennent par curiosité voir quand ça va ouvrir. Voilà. Et comme on est tous souriants pour l'instant, et c'est ça qui fait. On vend du plaisir dans un monde compliqué. Donc voilà, on ne le vend pas, on l'offre aujourd'hui. C'est délicieux, mais ça ne sera pas la dernière fois. C'est la première, mais pas la dernière. Hein. Je lève mon verre à Fred et ils sont merveilleux. François, c'est bien. Je vous ouvre dans la main. Oui, c'est ça. Frédéric Vauquand ne compte pas s'arrêter là. Il prépare ses 2 prochaines ouvertures, à Gand et à Bordeaux, avant de partir à la conquête de nouveaux continents. Après Hong Kong, Merwan et sa famille s'attaquent à la Chine continentale. Ils viennent d'inaugurer leur toute dernière boutique en plein cœur de Shanghai. Bruno a reçu ses toutes premières commandes du Danemark pour son gâteau basque. La Finlande et la Suède devraient suivre. 1, 2, 3. Un mois seulement après avoir terminé sa formation, Barborka a été embauchée dans une pâtisserie française en Norvège. Pistachio, lemon et rum raisin. En 10 jours, Céline a vendu 15 000 cannelés à Osaka. Le Japon, comme le reste du monde, semble bien être tombé sous le charme des pâtisseries françaises.